Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier avec la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, des versets 12 à 20. Dans ce passage, Saint Paul nous dit, « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. » Et frères et sœurs, au cours de la Sainte Messe, le prêtre nous dit, « Proclamons le mystère de la foi. » Et nous répondons, « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. » Oui, frères et sœurs, toute notre foi est dans cette affirmation. Comme Paul, je dis aujourd'hui, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Car si lui, Dieu, a pris notre condition humaine, est mort et n'est pas ressuscité, aucun autre homme ne ressuscitera. Paul l'a dit dans ce passage. Si lui n'est pas ressuscité, si Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mort, n'est pas ressuscité, alors nous aussi, nous qui sommes appelés à mourir, nous ne ressusciterons pas. Oui, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es vrai Dieu et vrai homme. Je reconnais que tu es mort et que tu es ressuscité. C'est ce que nous chantons dans le credo. Oui, tu es mort et tu es ressuscité. Et je le crois fermement. Et c'est cette foi qui me permet aujourd'hui de dire que moi aussi, je ressusciterai comme toi au dernier jour. Alors, mon frère, ma sœur, le Seigneur nous appelle une fois de plus à une foi inébranlable. Notre foi réside dans cette affirmation que le Christ est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Et il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Oui, Seigneur Jésus, ta gloire est là. Et elle nous fait beaucoup de bien. Ta gloire est là. Elle nous fait du bien. Ta gloire. Je reconnais.
Frères et sœurs, que notre foi soit inébranlable, que chaque jour nous confessions le nom de Jésus, que nous confessions qu'il est vrai Dieu et vrai homme, qu'il est mort et qu'il est ressuscité au troisième jour. La mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Seigneur Jésus, Seigneur, toi qui es Dieu, ne permets jamais que notre foi défaille. Prends le contrôle de nos vies. Demeure toujours avec nous, car il est agréable et doux de rester en ta présence. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.